Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le premier module de votre atelier d'apprentissage de gestion de crise. Nous allons aborder les définitions, les généralités sur la crise. Si l'on en croit certains spécialistes comme Daniel Cohen, la crise est devenue permanente et il nous faut vivre avec. La crise remet en cause l'ordre établi et ce n'est pas acceptable. Dès lors, pour ne pas subir, tout en tentant de rebondir, il faut rechercher les mesures de prévention permettant d'atténuer l'effet de surprise dont les conséquences peuvent être délétères tant pour la population que l'organisation d'un pays. La crise engendre le chaos, mais paradoxalement oblige aussi à réagir. Elle devient dès lors facteur d'organisation. Dans la langue chinoise, le sinogramme de crise est défini par deux symboles, l'un signifiant danger et l'autre opportunité. La crise est un phénomène très complexe. Il est important de la définir et d'en déterminer les contours. Nous y reviendrons dans le cadre du module numéro 1. Les modules 1 à 5 ont essentiellement vocation didactique et théorique. La gestion de crise nécessite une préparation, car la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'un moment ou l'autre, la crise se produira. Il est nécessaire d'acquérir un certain nombre de connaissances théoriques des phénomènes connus, susceptibles de se reproduire et ayant fait l'objet d'une analyse ou d'un retour d'expérience, ce que l'on appelle en jargon militaire un rétex. Même si les crises sont diverses, des éléments communs de réponse existent et permettent de mieux les appréhender en réduisant notablement leur impact, voire en donnant des clés de lecture pour leur résolution. Il y a des dimensions sociologiques et psychologiques qu'il nous faudra aussi aborder pour bien comprendre tous les enjeux. Dans un cadre interministériel, l'État a développé une stratégie de réponse aux situations de crise afin de faire face à ces diverses responsabilités. La communication, quant à elle, revêt une importance capitale. C'est un moyen de mettre en exergue, tant en interne qu'en externe, l'efficacité et la pertinence des options choisies. Ainsi, est-il nécessaire de comprendre les principes théoriques qui régissent cette communication et de savoir manier les différents outils d'information mis en œuvre. Chaque crise étant différente, il n'est pas possible d'établir un plan type, d'où la nécessité de développer une méthode d'analyse s'appuyant sur un diagnostic aussi précis qu'exhaustif pour prendre les décisions idoines. D'où le recours à la méthode de raisonnement tactique utilisée par les armées et la gendarmerie, qui comporte trois étapes: l'analyse de la situation, la recherche de stratégies ou de modes d'action, et la décision ou le choix de la stratégie.